capter les rayons du soleil, jouer avec ses reflets. William Turner a toujours été fasciné par la lumière, les couleurs. Aujourd'hui à Londres, ce sont ses œuvres de maturité qui sont exposées. Ce qui est vraiment spécifique à Turner, ce sont ces contrastes extraordinaires entre la lumière et l'obscurité. Regardez ici la façon dont la lumière naturelle de la Lune se confond avec le feu dans le bateau. Et tout cela se reflète à la surface de l'eau. Le peintre exprime ses impressions de voyage. La découverte de Venise, notamment, marquera son style, parfois tourmenté. Au total, près de 200 œuvres, des peintures à l'huile, des aquarelles sont exposées ici. Les Anglais redécouvrent leur plus grand peintre, Turner. Un film qui retrace sa vie va même être projeté en salle dans quelques jours. You're still making your nice little pictures, Mr. Turner. Turner, le fils d'un barbier qui a dévoué toute sa vie à son art. Parfois incompris, il développe sans cesse de nouvelles techniques. Aujourd'hui, l'artiste fascine toujours autant, plus d'un siècle et demi après sa mort. C'est notre peintre préféré parce qu'il était tellement différent. C'est à ce expo qu'on va payer et on a économisé juste pour voir cette expo-là. Et on n'a pas été déçus. L'exposition événement de l'un des pères du courant impressionniste, William Turner, n'a sans doute jamais été autant en pleine lumière.